Hey, bienvenue! 19h, c'est l'heure du nouveau stream, et un nouveau stream tout à fait exceptionnel, comme le stream de hier et celui d'avant-hier, et tous les précédents d'ailleurs. Et oui, parce que ce stream, ça va être quelque chose que vous avez déjà vu de streamer en fait dans The Big Game of Ski. Alors qu'est-ce qui se passe? Papy a fondu quelques circuits, les neurones ont foutu le camp, il ne se rappelle plus de ce qu'il fait. On va pas dire ça quand même. L'idée en fait c'était de vous faire voir en version arcade un très très bon shmup qui s'appelle Mushi Mesama et qui à mon avis méritait de montrer son côté arcade parce que la dernière fois que je vous l'ai fait voir, alors là je vais vous laisser farfouiller dans les streams archivés, c'est sur une version Steam absolument parfaite que le soft a tourné. Alors aujourd'hui on se fait un run sur le même jeu. Mais dans sa version arcade. Bien entendu, je n'ai pas la borne chez moi, sinon j'habiterai dans un appart de 4 km². Et donc ce sera encore une version émulée que l'on va parcourir ensemble. Allez Zou, sans plus attendre, je lance le bousin. J'ai même pas fait voir la jolie image, le joli artwork de ce petit jeu, vraiment sympatoche. Regardez-moi ça si c'est choupi. Allez Zou, trêve de conneries. On lance le jeu, ce sera un poil plus sérieux. Merci la fanfare. On y va. Taratata. Hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Alors normalement, l'émulation ne devrait pas être parfaite, hein, parce que c'est un jeu qui est quand même assez burné. On va utiliser le terme burné, du mot anglais burn. Mais en appliquant au verbe. Oui, je m'arrange comme je veux. De toute façon, c'est mon stream, je fais ce que je veux à bord de ce stream. Vous le savez très bien. Il n'y a pas de bouée pour les gens qui veulent sauter en cours pour regagner le rivage des esprits sains à la nage. Ah, regardez-moi ça, 2004. Oh, que c'est joli. Alors, c'est le thème pour les gens qui ne le connaîtraient pas, très insectoïde, qui rappellera à beaucoup d'entre vous, si vous avez une éducation Ghibli. Un certain long métrage tout à fait génial d'ailleurs. Donc entre le long métrage qui a inspiré les graphismes de ce jeu et ce jeu qui est absolument génial, je pense que je vais pas trop me forcer à jouer et faire durer le jeu si nécessaire. Alors je vous vois déjà sourire, parce que effectivement sur le premier stream de la version Steam, oh c'est dur à dire ça. Eh bien, en fait, je vais jouer en mode gentil. Alors aujourd'hui, pour vous faire plaisir, je vais passer, non, pas en ultra, parce qu'en ultra, je vais saigner du sang, et j'ai eu une nuit très difficile, et j'aimerais éviter toute chose qui pourrait choquer mon corps. Donc à ce niveau-là, on va se contenter du mode maniaque. Alors je crois qu'en mode maniaque, on a déjà les boulets de suicide qui apparaissent, et le jeu est plus dur, bien entendu. Allons-y! Allez, on va se prendre l'intermédiaire, comme ça j'aurai le meilleur des deux mondes, on va dire. Alors j'aurais dû remonter le son du jeu. Alors ce qu'on va faire, je vais me laisser crever et je vais vous remonter le son du jeu parce que ça mérite. Faut juste qu'on me rende mon curseur, ce serait juste parfait. Merci. Voilà. Ça va aller beaucoup mieux pour vous. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on y retourne? Peut-être. Non, j'en sais rien. Hop. C'est compliqué hein, parfois d'arriver à faire tourner un stream quand on est tout seul à se démerder comme un couillon. Mais normalement, je ne désespère pas. Et nous y revoilà. Regardez-moi ça, la magie. Pif, paf, pouf, des crédits. Et c'est parti, mon petit canari maniaque. Donc on a dit le tir intermédiaire. Et ça devrait bien se passer. Vas-y doucement, les gars. Alors, que rajouter de plus que je n'ai pas déjà dit? Bah, je ne vois pas. Hein. Je pense que je vais faire vraiment un stream où je vais jouer Pépère. Et je vous laisse vous forger votre opinion sur le jeu que je vous ai déjà vendu comme excellent. Et c'est totalement vrai. Merde! Effectivement, il est déjà plus dur là.
Là, j'aurais déjà dû bomber. Ce qui est quand même dramatique, vu qu'on est juste au premier niveau. J'aurais peut-être dû prendre mon tir fétiche. Oh, l'enfer qu'il me fait! Je vais pas aller super loin, à moins de gaver la machine en pièces de monnaie. Alors j'aurais dû mettre le retour du son un peu plus fort pour moi, parce que là, j'en chie un poil à cause du son. Oui. Parce qu'il y a des informations d'explosion que je n'ai pas, vu que je ne les entends pas. Et oui. Oh là là. Je vais monter le son vite fait. Ça devrait mieux se passer pour moi. Si, je vous garantis, vous allez voir. Bon, là on est sur un boss, donc c'est pas obligé que ça se passe vraiment mieux. Lecture, toujours lecture. Cet écran est plein de choses à lire. Il ne tient qu'à vous d'avoir l'attention pour rester focus. Alors, il me semble que j'ai un autre bouton, mais je ne l'ai pas utilisé encore. Non. Oui, il faut que ça me revienne aussi à moi, parce que je dois vous avouer que là, en 24 heures, je vous ai quand même enregistré je sais plus combien de dizaines de streams de shmup. Et j'ai tendance à un petit peu mélanger les pinceaux entre le gameplay de l'un avec le gameplay de l'autre, qui a telle fonction que l'autre n'aura pas. Et forcément, ça met pas mal de confusion dans la tête. Comment ça, c'est pas une excuse? Ah bah si, il va falloir vous en contenter, les amis, moi je vous le dis. Surtout que là, ils ont envie de me faire la fête, j'ai l'impression. Alors, je sais pas, il y avait peut-être une promo sur les boulettes ce mois-ci. Ou alors, c'était des anciennes congelées qui, je sais pas, ils ont eu une panne de congélo. Et ils se sont dit, oh, bah tiens, on va tout lui envoyer. Alors, des menus à ramasser, je peux en ramasser, hein. Très vache. Et puis, pas qu'un peu. Vu la quantité, le déferlement de ces petits objets adorables mauves que je me prends sur la tronche. Yeesh! Dommage, Eliane. Oh, il était temps que tu meures, toi. Non, mais continue de mourir. Tu n'avais pas fini de mourir. Effectivement, le mode est plus dur, je confirme, hein, pour les gens qui n'auraient pas remarqué. Alors, si vous voulez voir la différence, bah, je vous invite à regarder l'autre stream. Vous allez voir que c'était, bah, j'allais dire, de la balade. Ouais, non, mais c'était pas mal de la balade en comparé, vu l'enfer qu'on est en train de me faire ici. Hein. Il n'y a pas une seconde pour se caser dans un safe spot ou quoi que ce soit. Aïe, 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 aïe. J'ai dû garder appuyé. Mon erreur. Très fatal d'ailleurs. Alors je vous rappelle que comme dans tout bon shoot cave, on a la touche de tir qui, une fois maintenue, permet de ralentir un chouïa le vaisseau pour pouvoir se faufiler. Entre quoi, vous me direz? Bah je sais pas, je ne vois aucun obstacle sur cet écran, hein, tout va bien. Oui Houston, je vais pouvoir atterrir, la piste n'est pas encombrée, regardez. Salut! Alors normalement je devais avoir un défaut sur cette émulation et je n'en vois pas. C'est assez hallucinant. Oui, je vous entends penser d'ici. Vous vous dites, mais deviendrait-il bon? Alors, non. Hélas. Mais. Je ne me laisse pas vaincre facilement, c'est ça le truc. Oh!
Oui, vous l'avez entendu, la grande respiration. Mais oui, là, c'était un peu violent quand même. On sentait une certaine hostilité de la part de je ne sais pas comment nommer ce cancre-là de bonne taille. Et je suis très ravi qu'il explose. J'aimerais bien qu'il soit fini. Parce que là, j'ai les yeux qui commencent à. Bah oui, je n'ai toujours pas cligné des yeux depuis le début du boss. Hein. Donc, j'ai les yeux qui commencent à pleurer. Ils sont tout secs. Va falloir faire quelque chose, va falloir m'aider. Aidez-moi, je suis en enfer. Non, ma bombe, tu n'auras pas. J'ai ma putain de fierté. Mon méo. C'est quoi ce travail? On va faire comme d'habitude, hein, on va aller au troisième boss et puis je vais arrêter, c'est pas la peine de vous spoiler le stream, vous en profiterez beaucoup mieux vous-même. Oui, il est dans le top, ça je l'avais déjà dit. Je peux rien rajouter, tout a été dit, hein. Regardez le stream précédent. La jouabilité est extraordinaire, la maniabilité identique, et en plus ce jeu est magnifique avec sa petite patte insectoïde qui est assez géniale. J'arrive à parler en même temps, je m'épate là. Parce que normalement, je devrais être en train de faire. Il m'a mis cher. Il m'a mis très cher. Et il n'a pas fini, regardez. Il y a comme une deuxième couche à l'intérieur. Ah non, mais je passais pas là. J'y arrivais pas. C'était juste pas probable là. Oui, show me the way. Je passe où au milieu de tout ça, les amis? Parce que moi, je veux bien que le monsieur il soit tout vénère, mais il faut quand même me laisser un petit passage, ou un moment où je respire, ou un moment où même potentiellement je pourrais même presque cligner des yeux, par exemple, je ne sais pas. Un truc de fou. La fessée qu'il est en train de me mettre, c'est dramatique. J'ai perdu mon sang-froid sur cette action. Ça s'est totalement vu, je pense. Je me prends une dérouillée. Oui, alors, je pense comme vous, allez voir un super play de quelqu'un qui gère le jeu sans problème. Ça en jettera peut-être un petit peu plus que regardez ce que je vous fais là, qui n'est pas franchement terrible. Mais bon, j'ai au moins pour moi le fait de me battre pour vous. Hein. Donc, même si c'est pas terrible, je fais quand même des petits exploits pour arriver à me faufiler et essayer de vous faire voir un petit peu plus loin ce qu'il y a derrière cette espèce de. Gros enfoiré, hein, parce que avec tout ce qu'il envoie depuis tout à l'heure, il y a moyen que je me plaigne un peu. Et je ne commence à vraiment plus rien y voir. Il faudrait que je puisse cligner des yeux à nouveau, ça serait cool. Comment ça, je fantasme? Non, non, je peux cligner des yeux à un moment ou à un autre. Oh putain! Reste zen! There's always a way! There's always a way! Je vais même pas ramasser mon. Ah putain. Effectivement, le mode dur, je crois qu'il est, comment dire, un petit peu plus raide. Oui, effectivement. Mon Dieu, quel dérouillé. Bon alors, le safe spot devrait être par là du coup. J'ai pas eu le temps de le repérer. Mais ce n'était pas le boss. Et oui, c'était juste le petit apéro pour démarrer.
Ça passe et presque. Le problème, c'est le presque. C'est pas de passer. Mamma mia! Eh, un plombier italien n'y retrouverait pas ses tuyaux, là. Non, non, je le veux pas, ce pattern, il pue. On dirait un monster trophée. En deux mots. J'espère que vous avez le bruit des retours du pad. Parce que vous devez entendre les tic-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 tic qui sont à la hauteur de ma panique, en fait. Car j'ai beau faire le gars qui garde tout son sang-froid, je vous garantis que là, je suis quand même pas mal. Mode panique. Porcherie. Putain de bordel de merde. Mais veux-tu bien mourir, espèce de damnée bestiole diabolique et pas du tout gentille en plus, hein? Non, je ne l'aime pas, ton pattern qui pue, là, il me déprime. Ah, une sortie. Un passage. Tu l'as rêvé, ton passage, mon ami. Et il lui reste plus grand-chose en plus, c'est ça le pire. Ah, saloperie. Bon, allez, je me laisse crever sur le début du prochain niveau, et je vous laisse découvrir la suite tout seul de ce merveilleux Mushihime-sama, qui est vraiment dans... Moi, je dois vous avouer que perso, j'y rejoue très très régulièrement. Enfin, très très régulièrement. Là, ça... ça se voit que ça fait peut-être une éternité que je n'ai pas touché, puis que j'étais pas un peu... Je crois que j'ai jamais fait le mode hardcore là-dessus, donc... C'est un poil tendu, si vous comprenez bien. Non, on va s'arrêter là. Je n'ai plus Dieu, la manette est bouillante. Je me suis accroché dessus, désespérément, j'ai les mains qui tremblent. Il est temps d'arrêter. Donc, je vous abandonne sur ce beau screen de Mushihime-sama. Et puis, on se retrouve demain, 19h, pour un nouveau stream sur un autre jeu. Je ne sais même pas ce que ce sera. Sûrement un shmup encore. Vu qu'on a nos archives de shmup à remplir, et que je le rappelle pour les gens tête en l'air, il y a plus de 1400 jeux de ce type référencés à ce jour. Donc c'est un poil tendu que ça. Merci d'avoir suivi le stream. Sérieux, foncez, choper la version Steam de ce titre. Si elle n'est pas vendue trop cher, c'est vraiment un must-have. Et vous vous éclaterez toujours à l'apéro avec des potes au milieu de cet enfer de boulettes absolument magnifique et maniable. Ciao, ciao.